son activité favorite, mettre en pièces sa maison tout entière. Ça suffit. Téléphone. Non. Téléphone. Rends-moi le téléphone. Non. Non, tu l'auras pas. La vie de ma mère. Maman, laisse-moi. Non. Laisse-moi. Je te jure que je vais mettre un truc dans le verre et là, je te jure que je vais le faire. Je l'éclate. J'éclate ta télé. J'éclate ta télé. Non. Fais ton lit. Maintenant. Non. Moi, je t'ai dit si. Bah, moi, je t'ai dit non. Tu te dépêches. Dépêche-toi de faire ton lit. Tu fais toutes ton lit. Toutes les figurines vont se péter, je te dis. Elles vont se péter. Bah, dégage. Tu fais ton lit. Dégage. Tu fais. Qu'est-ce que j'ai pété? 4 fois l'imprimante. Ça. Ça. Enfin, les meubles. Ça suffit! Pas de téléphone. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, sinon je vais tomber à jour. Non, tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Non, je te dis que... Dans ces moments-là, la cruauté de Jonathan est sans limite. Alicia a toutes les caractéristiques d'une vulgaire adolescente capricieuse. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Derrière ce physique enfantin se cache une délinquante chevronnée. Des conneries. Des conneries. Qui t'ont emmené où? Prison. En prison. Sans permis. Je roulais sans permis avec ma cousine. Et il y avait un gendarme en plein milieu de la route. J'ai failli le percuter. Du coup, ils m'ont incarcéré parce que ce que j'avais fait, j'aurais pu le tuer en fait sur la route. Plusieurs fois incarcéré pour de très graves délits. Arnaque, vol, violence, conduite sans permis. La jeune fille arbore un casier judiciaire impressionnant. Elle est pas venue te voir? Non, mais elle a été voir mon frère. Elle a été voir ton frère? Ouais. Parce que ton frère, il a été incarcéré aussi. Pareil. Mais pourquoi elle va voir ton frère et pas toi? Elle Encore. Dit que c'était une punition. Mal, ok. Qui vivrait bien la prison, je me demande? Personne. Attention, accrochez-vous. Cette jeune femme, incapable de s'assumer, au comportement totalement immature, est mère de 2 enfants. Donovan, 6 ans, et Nolan, 8 ans. De rentrer dans la porte de la prison, je m'effondrais et quand je ressortais, c'était exactement pareil. Alors c'est pour ça que je n'ai pas pu y aller. Ces deux petits garçons vivent chez leur père dont elle est séparée depuis qu'elle enchaîne des allers-retours en prison. Malheureusement, cette jeune et improbable mère de famille se comporte très mal avec Pascal, sa propre maman. Si on cumule toutes tes peines, il y a 3 ans mmh. 3 ans de tôle, mmh. 3 ans de prison. C'est pas mal, hein? 3 ans de ta vie gâchée. Qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, comment ça tu cries, toi? Comment ça? Dis-moi ce que tu as dit. Non, pas de mon père. Dégage, toi. Tu me pousses pas. Je suis pas de ta gueule. Je suis pas de ta gueule. Vas-y, frère. Ferme ta bouche. Arrête. Quentin, ça suffit. Dégage. Tu rentres pas. Dégage. Casse-toi. Dégage. Je vais t'en faire. T'en penses quoi de tes frères? Ta mère, toi, mon téléphone, ça le prit. Vas-y, bouge, mon téléphone, je vais te payer, bouge. T'as amusé, je t'ai mon portable. Ça suffit! Casse-toi, je te dis! Tu touches pas mon portable! Donne, je m'en fous, il va s'éclater, donc donne. Comment ça va? Tout de suite, monsieur Chant. Tu me fais mal! Vas-y, bouge! Ça, mon gars. Guerre. Dégage. Donne le portable. Non. Bouge. Allez, hop, tu dégages. Casse-toi, vas-y, qui me touche là. Toi, toi, tu vis là-dedans, dans cette merde. Pour y aller, j'ai eu la plus grosse honte de toute ma vie, en fait. Ça, je vois, il y a du moisi là-dessus. Là. Toi, tu dors à côté. Donc dans quel état, toi, après, tu es physiquement? Mais là, ça excuse-moi, mais ça pue, quoi. Je veux pas dire le terme. Bah, si, ça pue la merde. Je suis désolé, mais... C'est une déchetterie, voilà, c'est une poubelle. Ils appellent les nettoyeurs. Au travail, c'est parti, venez. C'est là-bas, au fond, à gauche. Allez, au boulot, c'est parti. Ils sont arrivés, déjà, ils avaient tenue blanche pour éviter de salir, des gants et un masque. Quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. J'ai vraiment déconné, là, sur la chambre.
Équipés de leur combinaison antimicrobes, nos trois experts de l'hygiène s'attellent à la tâche, et elle est rude. Ils ont tout pris, ils ont pas cherché à comprendre, ils ont tout pris, ils ont tout balancé, ils ont tout... Ils vont tout nettoyer. Tout. Tout ce qu'il y a là-bas, nettoyage total. On va désinfecter ta chambre. Dans des sacs poubelles, ils ont pris mon lit, ils l'ont retourné, ils ont vidé ma chambre. Une fois le nettoyage de la chambre terminé... Je crois que moi je vais t'appeler handicapé aussi. Enlève-toi de là, arrête de le frapper. Dans la portable. Et dégage. Qu'est-ce que je te fais frapper, dégage. Vas-y. Mais du sel, mais faut mettre du sel, moi j'aime bien le sel. Mais du sel. Mais ta mère, dégage, que ça t'arrive là. Dégage, c'est moi. Mais à la fin, t'as... toi aussi, laisse-moi penser que ça t'arrive à me bloquer là. T'as pas entendu, maman. Je dégage, ta mère. Ta mère. Hey, t'as quoi? Ça suffit. Bah là, tu veux quoi? Pourquoi tu veux quoi? Ta mère, tu veux quoi? Une vieille. Mais Laurine, qui de surcroît déteste se montrer sans être impeccablement maquillée, va une fois encore sortir de ses gonds. La garce, tu arrête. Sors. Non. Sors. Vas-y, laisse la feuille. Vas-y, bah tu sais quoi, tu vas me le refaire. Non, je la coupe là. Dégage. Je le kiffe aussi maintenant. Non. T'arrêtes de me péter les à toi. Dégage. Fais-moi cette chose. Dépêche-toi. Dégage. T'as pas de besoin de me frapper. Dégage. Fais-moi cette chose. On va jouer, fils, mon pote. Ah, maintenant, va chercher ma snow golf. Arrêtez. T'as rien à toucher là-bas. Débarrasse, t'es chez moi, d'accord? Arrête, tu sais très bien que ça va. Moi, tu sais très bien que tu vas être dans le mal. Ah oui, et t'as fait rire. Rigole. Non. Vas-y, non. Toi, tu veux que je te cire. Ouvrez tes. Eh ben, t'as qu'à arrêter, p***. Eh ben, alors, casse-toi. Vas-y, casse-toi. Et casse-toi. Tu me laisses faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas te faire le topo des trous, hein? Celui-là, c'est moi parce que tu m'avais cassé les couilles pour ton travail. Ça, c'est un jour où tu m'as vraiment cassé les couilles dans la maison. D'accord? Continue. Tu respectes mieux ta copine que ta mère. Encore une fois. Aïe-toi! Ouvre! Ça, j'ai balancé une chaise parce que tu me cassais les couilles. Mais t'es fou! Balade-toi, bouge avec ta caméra! Passe! Dis-moi ce qui se passe, je te jure, t'es sûr de toi? Casse-toi, t'as pas parlé comme ça! T'es sûr de toi? Tu veux me planter? Je te... Rends-le-moi! Je te rendrai ton téléphone quand tu m'auras parlé. Rends-le-moi! Et bah pas... Allez, dégage. Face à cette violence, notre équipe est contrainte d'intervenir. Bouge, tu vas faire quoi? Tranquille. Lâche-moi. T'es pas là-bas? Non, mais où ça? Ah! J'ai du boulot! Une règle. Arrête! Mais t'es malade! Assieds-toi, allez! Allez, assis! À la mort! Bouge! À la mort! Bouge! Eh, mais t'es fou! Balade-toi, bouge avec ta caméra! Tu t'es pris pour qui? Bah alors, laisse-moi aller, laisse-moi là.
Je te le donnerai pas. Et bah tu vas te faire profond. Voilà, je vais toucher ton doigt. Ouais, j'en ai rien à péter, tu ça touches pas. C'est de la provocation, après tu casses les choses. Moi je fais comme toi, j'ai décidé d'arrêter la musique. Ne casse pas le bras. Continue. Tu respectes mieux ta copine que ta mère. Tu ranges ta chambre. Ouvre là. Ah bah voilà. Encore une fois. Rien de dire. Tu veux jouer avec moi, toi? Lâche-moi, tu te réveilles. Émergé par la colère, Armand se jette sur son marteau. Je vais te massacrer, toi. Alors, qu'est-ce que je te fais, moi? Je te fais du mal, moi? Mais t'écoute pas du tout. Mais attends, tu vas écouter. Voilà ça que je veux.